Bonjour, bonjour la gang! Hello. Yo! Comment ça va? On veut savoir. Ouais, écrivez dans les commentaires. Je pense qu'en tant que créateur de qualité supérieure, faut prendre le temps de demander à nos abonnés comment ils vont. C'est important! Ben oui! Fait que écrivez dans les commentaires. On va passer une petite minute. Quelle belle introduction, ça commence bien. La gang, je suis pas excitée, je suis avec Zozo. Ben oui! Pour une partie 2 d'une vidéo qu'on a faite qui était vraiment fun. Mais là. Surprenante, par exemple. Ah, surprenante, mais c'est trippant. Moi, j'adore manger, j'adore boire, j'adore tout. Aujourd'hui, ben dans le fond, on fait une partie 2 de la vidéo qu'on essaie de trouver, on essaie de deviner en fait lequel des deux produits. Non seulement je peux pas mal français. Aujourd'hui, c'est une partie 2 en fait de. On essaie de deviner le prix. Mm-hmm. Non. Pas encore. On devine lequel est le plus cher et lequel est le moins cher. Oui, exact. Puis c'est à savoir. C'est comme. En fait, c'est. Ouais, m'as-tu arrivé? C'est un ABC. Monde. Elle saoule déjà. Je pense que c'est juste pour voir, tu sais, est-ce que ça vaut la peine vraiment d'investir dans des trucs, ouais. Tu sais, de mettre un petit montant de plus pour comme de la qualité ou si la qualité est même pas là, même si t'investis un petit montant de plus, tu sais. Moi, je pense que ça dépend du produit. Mais la dernière fois, ça m'a tellement découragée que je me suis comme remise en question. Je me suis posé la question, ouais. Est-ce que dans le fond, je suis juste une cheap? j'aime, non seulement je suis cheap, mais j'aime mais vraiment les affaires cheap, tu sais. Ouais. Fait que là, je me dis, ça prend une partie 2 pour vraiment comme voir, confirmer ça. Ouais, non, je suis bien partant. Fait qu'on a déjà épaules. Yeah. T'es-tu prêt? Oui, je suis très prêt. Ok, fait que, premier service, shooter? Ah oui! Premier service, ça a pas été facile de convaincre mon chum de nous donner ses bouteilles. C'est deux bouteilles qui valent vraiment cher. Dans le fond, c'est du scotch. Okay. Fait qu'on a le Black Label, puis on a le Glenmorangie. Ouais. Ok, tu le connais? Ouais, ben celui-là, j'en ai déjà entendu parler. C'est un 14 ans, puis celui-là, mon chum m'a dit comme « Sérieux, je peux pas croire que tu vas prendre mon fond de bouteille pour faire une vidéo YouTube, tu vas même pas le savourer. » Je suis comme « Non, ma plus de ça, on va le savourer. Okay? » Ben oui. Fait que, en même temps, peut-être que ça va goûter à marde, puis qu'on va zéro le savourer. Ça se peut aussi. Ouais, c'est... Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte qu'un scotch est bon. Moi non plus, c'est ça, j'ai aucun référent. Bon, je suis comme, bon ben, on va tenter l'expérience! On va tester! Fait que bande-toi un peu! D'accord! Je me demande! T'es-tu prêt? Ouais, ok, je le tiens. Faut que tu le bois? Oui, ben c'est quand même un gros chat dans le fond que j'ai fait, mon chat m'a peut-être fait fâcher. Oups! Est-ce que tu l'as dégusté? Oh! 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 My God! C'était fort comme alcool, mais le goût il était quand même assez bon. C'était pas désagréable? Non. Ah! C'est le deuxième? Ouais. T'es-tu prêt? Ouais. Tiens, le deuxième. Ok. Oh, il sent plus fort. Ok. Genre, ça m'a brûlé les narines. Mais ben non. Ouais. Ok, tu m'en prends des plus. Voyons, j'avais une consigne. Pas en prendre beaucoup. Oh, ouais. C'était d'une violence, oh, my god. Violent, là. Oh, my god. Oh non, le deuxième, c'est oh, non. Je me sens mal. Oh, oui. Non, mais probablement, il était énorme. Hey, le deuxième, c'est un non. Ah ouais? Comment ça? Il me brûle carrément la langue en ce moment, là. Ah ouais? Ah oh, ouais, genre. Il passe moins bien, là. Le premier était vraiment meilleur. Genre, tu t'aurais plus vu savourer le premier avec une petite glace. Absolument. Mettons, oui, ça, j'aurais pu. Ok. Ça, non. Ah ouais? Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ah. Celle-là, c'est le plus cher. Non! Non. Ça commence pas bien. Moi, jamais je vais payer pour avoir un Glenmorangie. Il est même capable de parler. Moi, jamais. Je suis stressée, on dirait que j'ai de la pression. Surtout, je sais que mon chum, c'est comme ses deux bouteilles favorites. Ouais, hein. Ok, voilà. Fait que premier. Ouais, premier. Ah! Ben, l'odeur est forte. Ouais. C'est d'une puissance. Oh! Yeah! Ah, calice! Ça goûte le cuir. Le cuir! Oh oui, ça goûte le cuir! Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oh mon dieu! J'ai haï ça! Ah oui! J'ai détesté. Je vais voir mon chum, il profite de ça, là. Puis comme. Non, c'est ça. Oh my god, Zozo, c'est épouvantable! Je sais, mais moi, je prends pas whisky. Oh, c'est plus doux, mais en même temps, je sais pas, vu que je trouve que l'autre était tellement d'une grosse violence, que c'est peut-être l'effet placebo, genre. Ah, oh, je sais pas, c'est pas mieux. C'est donc dégueu du scotch, alors que. Ah! Plus je le sens triste! Je fais juste le sentir, pour vrai, j'ai genre le petit vomi, là. C'est ça. Ouais. On le fait pour vous, là, la gang. Mettez un like au moins. Ah non, non, c'est un sublisse, là. Oui, là, oui. Oh non! Oh my god! T'es-tu correct? J'ai failli vomir! Zozo, c'est épouvantable! C'est épouvantable! J'ai failli vomir! J'ai ravalé mon vomi! Je suis pas bien! Ah, les deux, c'est épouvantable! Comment mon chum peut déguster ça? Je sais, j'en ai chaud, là. Non, là. Je suis tellement désolée!
gars, tu m'en fais pleurer. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pensé que les deux étaient dégueulasses. Ouais, ouais, absolument. Mais je peux pas dire lequel était le pire. Les deux étaient Chris. Le premier, c'était horrible. D'un... Okay. Puis le deuxième, j'ai failli me vomir dessus. Mon chum, c'est impossible que tu boives ça avec c'est genre fou, plaisir. Ouais. C'est impossible. Ouais. J'ai trouvé que l'odeur du deuxième était moins pire. Visiblement pas le goût. Juste ça, je vais dire que le deuxième c'était le plus cher. Oui. Oh mon dieu, mais les deux étaient complètement dégueulasses là. Ouais, ouais. Mais genre c'est vraiment juste l'odeur qui fait en sorte que je dis ça en ce moment là. Point positif, c'est qu'il y a plein de bonnes choses qui nous attendent à manger. Ben c'est parfait. Tu es prêt pour un service agréable? Oui. Okay. Service numéro 2. Oui. On est sur quelque chose d'excitant. De la mousse au homard. Il y en a une de luxe, une pas de luxe. La cheap est 2,99$. Ok. La luxe, 7,50$. Oh, quand même. Ouais. Ça, tu vas mettre dans ma main, genre? Ouais. Mais tu sais, ça, c'est le genre de truc que j'ai l'impression que même la cheap est bonne, genre. Ah, c'est sûr. Mais ça sent le vrai homard. Ok. Ce qui est une bonne nouvelle. Hein? Ouais. Ok. Mm. Mon dieu, on dirait, my god, je suis à côté de toi puis je le mange pas puis on dirait, genre, je le vis. Tellement géant. C'est léger. Ah, ouais? Ouais. Hmm. Ok. Mais très, très bon. Je vais te donner l'autre. Mais tu sais, mettons, t'es pas malaisé de manger celle-là. Non. Ok. Il sent vraiment plus le homard, je dirais, mettons. Ouais. Il sent plus fumé, surtout. Ah, je comprends. Hum. Ah ouais? Ouais. Les deux étaient excellentes, honnêtement. Ok. Mais la deuxième, je suis comme... Ah ouais, hein, tu l'as préféré? Ah, c'est la cheap. Non, c'était la luxe. Ah oui, ok, ma mère. C'est la luxe. Ah, t'assumais tellement plus. C'était genre, ah non, ça passe, c'est sûr que non, c'est sûr que non. Méga différence. Ah ouais? Oh, ouais. Fait que la gang, investissez. Ouais, investissez dans vos petites tartinades de homard. Ça va à peine. Ben, c'est ça. Troisième service. Un petit service sucré. Ok. C'est des petits rouleaux suisses. Ok. Est-ce que t'en mangeais quand t'étais jeune? Oui. Ah ouais? Oui. Ok, moi j'ai aucun référence et je suis pas une fille de petits gâteaux comme ça. Moi je suis un gars de petits gâteaux. Ok, fait que j'ai l'impression que peut-être que moi je vais moins le trouver que toi, mettons. Okay. Parce que toi t'as de l'expérience en petit rouleau suisse. Ouais, je suis un expérienceux. un expérienceux du petit rouleau suisse. Exact. Ok, mais c'est lequel ton petit gâteau préféré? Moi c'est les millefeuilles. Ah non, c'est tout plate ça. Tu me niaises. Non, les millefeuilles c'est sexy. Oh mon dieu, c'est tellement bon! Moi c'est genre Joe Louis, mettons. Là. Ah non! Oh, oui. Non, là je suis tellement déçue. Ah! Je rappelle même pas c'est quoi le goût d'un Joe Louis. Hey, voyons donc. Ben, c'est parce que t'es dû en manger un. Ok, fait que le cheap a coûté 1,50. Ok. Puis le pas cheap a coûté 3,49. Ah, ok, quand même, le ouais. Presque double. Ouais. Fait que. Mais puis ça, j'ai pris au Dollarama. Puis l'autre pas au Dollarama. Fait que, tu sais. Est-ce que ça vaut la peine d'aller au Dollarama pour se prendre des petits rouleaux suisses? C'est ça qu'on veut savoir. Moi, j'ai l'impression que oui, mais. Ah ouais! On va rentrer avec lui. C'est pas mauvais, c'est très bon même. Ok. Il était très crémeux. Genre, je sais pas pourquoi je suis pas team rouleau suisse dans le fond, mais je regrette ma vie. Non, c'est fucking bon. C'est fucking taste. Pourquoi j'ai jamais mangé ça? Pourquoi ma mère m'a jamais acheté ça pour mes collations? Ben, c'est ça, parce que ça se mange trop facilement. Oh my god, mais ça fondait dans ma bouche là. C'était vraiment taste là, comme je suis contente d'avoir une boîte. Bon, parfait. C'est une bonne nouvelle. Tu vas les manger. Oui. Voilà, le deuxième. Genre, c'est délicieux. Elle dirait dans ta bouche. Non. Non? Totalement différent. Ok. Mais le premier, on dirait, je sais pas, il m'a fait un petit quelque chose, genre. Fait des petits papillons. Le premier, il m'a vraiment fondu dans. On dirait, ma bouche, elle a été enveloppée, genre. Ok. Ouais, ma bouche, elle a été enveloppée. Waouh. Oui, c'était magique, un genre. Un enveloppement de bouche. C'était vraiment magique. Puis le deuxième, il était comme figé, genre. Hey, ça, c'est de la description, là. Oui, mais c'était très. Je l'ai très vécu, maman. Ok, parfait. C'est lequel? Fait que je dis que le deuxième, c'est le cheap. Mais t'avais raison. Ah ouais? Oui, exactement. Oh oui, mon dieu. Cheap. Ok, mais oui. C'est ça. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est flagrant. Ouais. Je remets en question ma vie en ce moment. Ouais. Genre, j'ai jamais mangé ça de ma crise de vie. Là. J'ai bien perdu ma vie. Non, mais c'est ça, là. T'as perdu du temps, là. J'ai demandé à eux autres de se bander pour qu'elle ait fait surprise. Fait qu'on est sur un service de vin. Oh, yeah. Attends, ça se tournait pas excellé la première vidéo. Non. Fait que je me suis dit, on retente l'expérience. J'ai une petite twist. J'ai un vin cheap du métro. Oh le God, plus ouais, cheap. Ça, le fucking Keep Calm. Ouais. Ça, c'est le plus cheap de la sac qui est un Echo. Puis, en fait, je me suis dit, je pourrais aller dans une petite place qui vend des vins québécois. Ah, oh, nice. Fait que j'ai pris le meilleur vin québécois qu'on m'a suggéré. Wow, ok. Qui était 32$. Oh, c'est pas si pire. Non, mais était comme... c'est quand même plus... Ah ouais, mais le gars était genre, c'est le meilleur vin, tu vas capoter, là. J'ai trouvé une petite gorgée, là, pas comme... Non, ouais, c'est ça. Que je puisse les tester, là. Wow. Oui. Ben, en tout cas, ils sentent bon. T'en as quand même deux cheap et un pas cheap, là, fait que tu sais. Ben là, j'ai tombé hâte de savoir, je me peux plus. Moi, je trouve ça bon. Ok. Ça goûte un peu, genre, un bon vin pour manger avec du fromage. Ok. Moi, honnêtement, ça, je l'achèterais. Ah oh, oui. C'est le cul quand t'es lourd.
sent pas grand chose. Ah ouais? Il sent moins que le premier? Ouais. Peut-être un petit peu moins mon style. Il goûtait pas beaucoup, là. Il était vraiment, vraiment minéral, là. Quasiment comme de l'eau pétillante, genre. Ok, 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 ouais, je comprends. Pas sous le champ. J'aime ça, mais je suis comme correct. Mais mettons entre le premier puis lui à date. Le premier. Ok. It's smelling like petrol. Okay. Ça sent le cul? Mm-hmm. Ben, en tout cas, ta face, c'est l'air de dire que ça goûte pas tant bon. Non, moi je trouve que ça. You're done. Ok. Je dirais que le premier ouais. était la bouteille à 32$. Ok. Le deuxième était le 20 cheap de la sac. Ok. Puis le troisième, c'était Keep Calm. Raison sur un seul. Fuck. Le dernier. Ah, ok, ok, au moins. Ouais, au le dernier, c'est Keep Calm. Ok. Le deuxième, c'était lui, cher. Ok, parfait. Ouais. Mais c'était comme, ah, il goûte pas tant, pétillant, possible. Ouais. Oh, même, on a une amélioration, là. L'autre fois, tu disais que t'étais team 20 métro, là. Ouais, non, non, là, le Keep Calm, pour moi, c'est un gros nom. Ok, le prochain, en fait, c'est service de pas goût. Fait que je peux pas y goûter. Parce qu'en fait, je dois avouer, ce qui a fait en sorte que j'avais vraiment envie de faire ce service, mm-hmm. c'est qu'il y a une boucherie à côté de chez moi, vraiment cool, pis ils vendent des pogos. Ok. Faites maison, à 5$ le pogo. Je trouve ça quand même cher. 5$ le pogo? Ouais, je trouve ça quand même cher pour un pogo. Pour vrai, à vous. C'est un peu beaucoup. Pis je me suis toujours demandé, est-ce que ça vaut l'investissement? Parce que l'autre, le plus cheap, a coûté 1,79$. Ok. C'est quand même une bonne différence, là. Ben oui. Je suis vraiment comme un fan de pogo. Fait que si mettons, c'était 5$, c'était. Fucking tastes ouais, so feel, good. Ok. C'est un gros test en ce moment. Ben c'est ça là, c'est comme... Est-ce que ça vaut la peine d'investir 5$ dans un pogo? J'ai vraiment la pression du monde The entier sur one. Moi. Oui, je sais clairement. Il sent un peu épicé. Mm. Il se passe tellement de choses. Je sais que c'est le plus cher, déjà. Ah ouais? Oui. Comment ça? Il y a quelque chose de supérieur. Il y a quelque chose de supérieur. Ah! Ah, attends, non, là, tiens. Attends, mais il sent pas la même chose, là. What the fuck? Ah ouais? Lui, il était vraiment sucré. Ok, fait que vraiment pas le même buzz. Plus fumé, non, pas du tout. Mais okay. Les deux étaient vraiment excellents à leur façon. Ok. Mais moi, je dirais que le premier était quand même plus cher. Ah ouais? Je pense. Non! Non! Non. Fait que le pogo à 5$ vaut pas la peine. Le premier était comme... Ouf, il était satisfaisant. Mais fait il vient d'où le premier? Du métro. Mais voyons. Fait que je pense que genre un pogo, c'est satisfaisant. Là, ouais, peu importe c'est quoi. Ouais. Ok, prochain service c'est de la mozzarella. Mozza cheap. Ouais. 2,50$. Ok. Ça c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher là. Pis l'autre, 10,25$. Ouh! T'sais, il y a une grosse marge. Fait que je suis comme, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? C'est quand même 5 fois quasiment le prix. Là. Ben c'est ça. T'sais, est-ce que c'est justifié que je paye ma mozzarella 10,25$ versus 2,50$? T'sais? J'ai l'impression que oui. Ah ouais! Mais les produits de même là. Je sais pas. Ça sent vraiment rien. Dans mais c'est ça l'affaire, c'est que. C'est ça, je me demandais si ça allait vraiment paraître, vu que. Tu sais, on met du sel habituellement. Ouais. Tu sais, je suis comme. Oh, quoi, bon, c'est bon. C'est très bon. Parfait, genre, je te coupe ça dans ma salade, puis je suis satisfaite. Ouais. Okay. Très, très bon. Parfait. Oh my god! C'est-tu différent? C'est tellement différent. Ah oui! Mmh. Le premier, il a comme vraiment éclaté dans ma bouche. Le deuxième, il se tient plus. J'ai préféré le goût du premier. Le premier était plus. Ben, il avait un goût distinct. Le deuxième goûte plus rien en fait. Là, j'ai peur. Ok. Fait que le premier est plus cher. Ouais, le premier serait de luxe. Mais t'avais pas raison. Non! Je te crois pas. J'ai préféré la vieille mozzarella cheap à 2,50. Ouais, exactement. Non! Ouais. C'est honteux. Ben, tant mieux, honnêtement. Ben, ça va être économique pour ta prochaine épicerie. Absolument, mais je suis vraiment choquée. En plus, je l'ai vu et j'étais comme arc. Jamais j'aurais acheté ça, là. Mais voyons c'était comme dans un petit sac fermé, genre. Puis t'as préféré ça? Non, mais vraiment. De loin. Puis là, pour accompagner notre service de petit fromage, ben, je me suis dit des tomates, ok? Mais attends, il y a une tomate que j'ai payée 7$. Non. 7$ la tomate? J'ai jamais vu ça. Pourquoi? T'as pris ça? Puis en plus, mon chum était comme, mais oui, c'est une tomate ancestrale, je pense. Mais c'est le seul mot qu'il m'a dit. Girl, stop. Non. Hey, 7$ la tomate, là. Faut t'aimes ça, les tomates, là. Genre, moi, j'aime ça. Attends, mais j'ai pas dit. La cheap était 1,32$. Mais c'est ça! C'est ça, là. 7 fois le prix. C'est ça! C'est n'importe quoi. Et pour accompagner la hausse, que... Pour accompagner la mozzarella cheap. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on prend la tomate de luxe ou la tomate pas de luxe? C'est la question qu'on va répondre à l'instant. Ok, t'es prêt? Oui. Ok. J'ai pas mis de sel non plus, rien, là, on s'entend. Super bon. C'est une tomate. Ça va être sucré. Oui, oui. Elle répond à tes exigences de tomate. Ok.
Oh my god! Quoi? Elle était surette que le contre-tabarnak. Ok. Oh! Mais elle était bonne, mais comme, mettons dans une salade, je préférerais l'autre, là. Okay. Et ça, c'était quelque chose, là. Et ça, c'était la tomate à 7$. Non. Non. Fait que nous, on veut une mozza cheap avec des tomates oui. cheap, là. Ah oui, absolument, parce que ah! c'était quelque chose, là, genre, c'est comme, c'est trop, là, comme, t'es qui, là, pour être sourire de même, là? Mais voyons donc! Madame, là, genre... Genre, t'es pas satisfait, là. Non. Ok, ben c'est vraiment le fun, parce que nos prochains soupers... Ouais. On va vraiment pouvoir juste acheter des tomates à 1,32$. C'est exactement. Plus une mozza à 2,50$. Plus du vin du sac. C'est parfait. Du sac à 10$, le vin du sac à 10$. Ok, on a quelque chose d'excitant là. Ouais. Est-ce que t'aimes la crème glacée à la vanille? Oui, vraiment. Est-ce que t'es plus vanille ou chocolat? Moi, je suis plus vanille. Moi aussi. Dans la vie. Moi aussi. Oh my god, c'est tellement fort. Ouais. Fait que j'ai la plus cheap du métro okay. à la vanille. Puis j'ai une crème glacée vraiment intéressante, malaise. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Je suis vraiment arrêtée dans une crèmerie pour acheter ça, mais je me rappelle pas le nom de la crèmerie, fait je vais l'écrire ici. La cheap, c'est un gros pot. Ouais. 4,50$. Oh, puis la luxe, c'est un tout petit pot. 8,50$. Fait que c'est le double, tu sais. Ah, moi, j'ai l'impression que ça va rien changer. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Genre, je serais surprise d'être surprise. Ouais, c'est ça. Surprenez-nous. Ouais, surprenez-nous. C'était pas petit, ça. Très décevant. On dirait qu'elle goûtait pas tant, genre. Ok. Je suis comme. En ce moment, je suis déçue. Mais je me dis, si l'autre goûte encore moins, je suis vraiment en question mes choix d'aimer la crème glacée à la vanille. Parce que pour rien, la première, elle goûtait tellement rien. Ah, ok. Bon, okay. Je t'en mets la deuxième. Les deux étaient vraiment décevants. Ah! Oui, je suis comme déçue. Ok. Je pense que la première, c'est la luxueuse, juste à cause de la texture. La deuxième, j'ai trouvé plus motonneuse, genre. Ok. C'est vraiment juste ça qui fait en sorte que ça a influencé mon choix. La texture, vraiment. Ah ouais, la texture. Okay. Parce que sinon, je suis comme... Il n'y avait pas une que je suis comme genre... Non, c'est ça. Je suis juste comme... Ah! What's okay. next? Ben, t'avais raison. Oui! Oui, t'as eu raison. Mais non, je suis bien déçue. C'est la première. Ben, je suis déçue dans tous les cas. Oh, fudge. On est sur un service d'attente au sucre! Un de mes desserts préférés. Oh, moi aussi! Mais voyons donc, on a normalement les mêmes goûts. Mais c'est tellement bon, la tarte aux sucres, qui aime pas ça? C'est ça. Ok, je dois avouer que j'ai été vraiment surprise d'à quel point il n'y avait pas tant de différence de prix. Non? Non. Okay. Il y en a une des deux qui c'est vraiment une tarte au sucre, qui est une tarte au sucre vraiment d'une boulangerie, là. Mm-hmm. Tu sais, comme j'avais des hautes... Ben, j'ai encore des hautes expectations. Mm-hmm. Ouais. L'autre vient du métro, qui est la plus cheap du métro, mais style 1$ de différence. Ok. Je m'attendais à plus. 1$, c'est fou, hein? Ouais. La plus luxueuse, 7,99$, puis l'autre, 6,99$. Fait qu'à savoir, est-ce que ça vaut le détour, en fait? OK. D'aller dans une boulangerie versus à l'épicerie. J'ai l'impression que oui. Ben, je sais pas. Ils ont quand même un look différent, ouais, là, ouais. Je suis pas mal sûre de savoir aussi, mais... C'est une bonne bouchée, là, mais... Écoute, t'es capable d'en prendre? Mm-hmm. 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 Bah, on s'en ça goûte pas grand-chose. OK. Quand même bon. Attends, ben oui, c'est sûr, bon. Là. Les deux sont bonnes? Ou... Oh, j'ai trop hâte de savoir, tu sais, c'est quand même... C'est un plat national, là. C'est un plat québécois, là, de la tarte au sucre, là. Non? Non, mais elle, c'est incomparable, là. Ah ouais? Attends, mais laquelle que t'as... Celle-là, t'as préférée? La deuxième est meilleure. Ah ouais? Ah non, dis-moi pas que tu as raison. Impossible. T'as pas raison! Non! Hey, la deuxième était tellement meilleure. C'est vrai? Oui. Mais tu sais, moi, je le sais trop. C'est, tu sais, leur look est tellement différent. Je suis comme... Enfin, la cheap du métro, elle fait bien la job, là. Elle a un look vraiment moins solide, mettons. Ouais. Mais tu vois, même moi, à la base, j'aurais dit qu'en les regardant, je suis comme elle à la plus chère. Oui, mais je sais, j'ai eu l'impression que tu t'es laissé influencer par ça, puis moi, je trouvais ça le fun. C'est comme ça, il va penser que... Oui, t'es totalement fait avoir, là. T'es-tu prêt pour le dernier service? C'est quoi? Un service de bonbons! J'aime tellement ça, les bonbons. Moi aussi. C'est quand même deux bonbons de qualité, là. C'est pas de la merde. Mais le prix, c'est quand même très, très différent. OK. Il y en a un qui a coûté 3,99$. OK. L'autre, 13,49$. Non. C'est quand même une différence de prix. Mais c'est sûr que le deuxième était quand même plus gros format, mettons, là. Ouais, mais là, il sent bon. Mais je trouve que des fois, ça paraît, tu sais, des bonbons cheap. Mm-hmm. Des fois, ils sont vraiment plus durs, je sais pas. Genre framboise bleue. J'ai hâte de voir l'autre. Ok, non. C'est pas la même affaire, là. Non, mais le deuxième, plus cher. Ben non, t'as pas rapport.
C'est gênant! C'est gênant! Arrête! On dirait qu'on fait exprès. On dirait qu'on fait exprès. Mais non, mais là, vraiment, j'ai lui, c'était le luxueux. Non, puis lui, c'est cheap. Non, ça vaut pas la peine. Ah ouais? Non, ouais. À ce point-là? Ouais, ouais. Ouais, c'est insultant, là. Vous nous prenez pour des caves. Mais pour vrai, après deux vidéos, on peut le dire, là. Oui, oui, c'est vrai. Mais pour vrai! Je suis comme, ça vaut pas la peine tant que ça m'investir dans un truc cher, là. Non. À part des affaires de poisson. Ouais, le poisson, ça vaut la peine. Ouais. Mais sinon, le reste... Le scotch, ça vaut pas la peine d'investir. Achetez-en juste pas. C'est barré, c'est fini. Mais Zozo, je suis choque. Mais moi aussi. Ou faut assumer ce qu'on est, hein. On est des radins. Mais je suis quand même en même temps content parce que la prochaine fois, je vais faire mon épicerie. Oui. Ben, crème, je vais aller vers les produits moins chers. Ah, moi, je suis chouquette, là. Ah, je suis tannée de me faire avoir dans des produits chers. Là, ça va faire, là. Ben, là, ça suffit. Attends, une chose que je veux dire, par exemple, on n'achète jamais le Keepcorn. Ah non, c'est fini, là. Ça, c'est un produit cheap qu'on n'achète jamais. Non, là. Non, ça, c'est le produit démoniaque qui trahit les autres produits cheap là, qu'on a aimés, là. Ouais, ouais, la personne qui a créé ça, là, c'est la prison. Ah non, 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 mais cette personne-là ne connaît rien au vin, là. Non, non, c'est enfermé là qu'elle dit. T'as vraiment le pisser dans le tête. Littéralement. Elle nous vend ça, 9,99 Elle est bonne. Mais à part ça, agréablement surprise. Ouais, écrivez ouais. dans les commentaires si vous voulez une partie 3. Mais ouais. En même temps, je suis comme crème. Crème, est-ce que vous en voulez encore? Nous, on en veut encore. Là. Mais si oui, donnez-nous des idées dans les commentaires de produits. Qu'on pourrait goûter, ouais. Ouais. Vraiment, parce que c'est quand même difficile de trouver des produits qui c'est se vrai. Font autant cheap que luxueux. C'est vrai. Sinon, abonnez-vous à Zozo parce qu'il est généreux de son non. temps et de sa personne. Puis pour ça, ben, on se revoit la semaine prochaine. Ouais, parfait. Ah, je vais regarder. Il est genre... je vais être ici la semaine prochaine. Oui, il est genre, yeah! Je vais être encore là! On est fait que bye! Bye! Bisous, bisous!